Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour je réalise les stunts impossibles de la salle. Alors, comme vous savez, la salle il a fait pas mal de stunts, il en a fait pas mal et surtout à l'époque. Et du coup, je me suis dit quoi à la salle? Je me suis donné un défi, c'est refaire tous tes stunts. Donc là, c'est le premier épisode. Si jamais ça vous plaît, bon, on fera un épisode 2. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Est-ce que la salle t'es chaud? Est-ce que t'es ready? I'm ready to go. Est-ce que tu te souviens de plus ou moins tes stunts ou pas? Yes, bah oui, quand même. Il se souvient à peu près de ses scènes. Alors, il faut savoir, ça m'a rappelé pas mal de souvenirs de vidéos, parce que moi, en soi, je le faisais pas, mais je regardais les vidéos. Donc, du coup, c'est vrai que c'était assez chelou, les gars. Mais franchement, là, je suis assez chaud et je pense que je vais. Bah, déjà, en fait, j'en ai déjà fait là. Et en fait, après, on va refaire un avec la salle. Donc, la salle, elle va m'apprendre à en faire un autre. Donc, du coup, la salle, écoute, j'ai fait tes stunts. J'en ai fait 3, si tu veux savoir. Donc, là, on va faire un quatrième et on fera un épisode 2 si jamais. En tout cas, c'est parti. Est-ce que t'es prêt? 3, Ready. 2, 1, go, c'est parti. Donc là, j'ai peut-être des babouins. Donc celui-ci, c'est le premier stunt que t'as fait sur ta chaîne. Donc c'est Impossible Stunt 1. Ah, faut... ça me l'a fait un petit peu. Voilà, on entend ma voix. Faut bump sur le petit truc là. Faut double bump. Double bump. Donc en gros, faut bump sur le petit trottoir ici. Voilà, hop. Ensuite sur le petit muret. Donc, là, on appelle ça comment? Je sais pas comment on appelait ça, mais un sort de petit pont, quoi, on va dire. Et ensuite, il faut atterrir sur le toit tout au fond. Donc là, vous allez comprendre un peu plus. Exactement ça. Donc le plus compliqué ici, c'est de bump sur les deux trucs, être bien synchro. Donc là, voilà. J'avais écrasé des déchets. Ouais, je l'ai laissé parce que j'avais écrasé le gars, alors je sais pas pourquoi. Ensuite, on est parti pour un autre essai. Donc alors, regardez, faut stunt ici, stunt après, voilà, sur le petit truc là, et bam, on a. Hé, hey, j'ai réussi! Sur ah oui, t'étais heureux de réussir, effectivement. J'étais heureux. De voir ça. Alors, prochain stunt. Donc, stunt qu'on peut faire avec deux motos. Alors, on peut le faire soit en bâti. Donc, bâti, c'est plus compliqué parce que la bâti, elle vole moins que la moto qu'on verra après. Elle donc, va moins loin, ouais. Faut voler. Donc, bon, tu te souviens de ce stunt hein, qui était magnifique. Il faut atterrir sur le premier bâtiment ou le deuxième. Bon, en acouchou, on peut atterrir sur le deuxième. Et moi, j'ai décidé de le faire en bâti, vous allez voir. Donc, déjà, là, j'ai pris l'acouchou de quelqu'un parce que moi, j'avais la bâti. Et en fait, en acouchou, bah, c'est trop simple. C'est trop simple quoi, c'est. Regardez les lampes qu'on a. Ouais, c'est abusé. Bon, là j'atterris, mais je meurs. Hein, donc, la difficulté, les gars, c'est de atterrir sans mourir. Premier coup. Donc là, c'est pas validé. Premier coup, mais j'ai atterri, je suis mort. Donc, je l'ai fait du premier coup, hein. Je sais pas si t'entendais, j'ai dit ouais, du premier coup. Ouais. Du coup, là, je l'ai refait encore une fois en acouchou. Et en fait. C'était juste pour montrer qu'en acouchou c'est trop simple en fait. Tu peux aller sur la plage en acouchou. Ouais ouais mais c'est trop. Du coup je suis remort. Et là du coup j'ai décidé de le faire en bâti. Parce qu'il y a plus de difficultés en bâti les gars. Des fois on n'a pas d'élan et tout. Voilà. Ouais voilà bâti c'est. On sent déjà que regardez, ça a du mal. On sent que ça n'a rien à voir. Et c'est l'atterrissage le plus difficile. Oh, oh, oh c'est bon je l'ai fait. Et voilà, on meurt souvent. En bâti, il y a plein de motos. Premier. J'ai dû le faire de la cinquième fois à peu près. C'est pas compliqué, c'est impossible de faire ça. Alors celui-ci, très très dur. Donc là, c'est le premier essai que j'ai fait. Donc c'est dégueulasse. Hein. Il faut stunt sur un petit pilon. Et ensuite, atterrir sur la sorte de transversal. Je sais pas comment ils appellent ça. Un porte, ouais, c'est un porte. Voilà, je vous ai mis un screen. Faut stun sur le petit truc ici. Et ensuite, vous devez atterrir. Et bien, tout simplement, sur le porte. On va appeler ça un porte-conteneur. Alors, suivi de la rampe. Hein. Normalement, tu stun aussi sur la rampe. Laquelle rampe, tu parles? Bah là. En fait, tu bums sur le petit truc. Voilà, regarde, je suis allé où? Limite, j'allais atterrir sur le bateau. Bah là, si j'aurais été bien, j'aurais atterri sur le bateau. Quoi. Oh, je suis allé jusqu'au bateau. Donc le petit truc, puis la rampe. Attention. Regarde. Ah ouais, tu fais direct le truc et ta moto elle décolle. C'est là ma moto elle décolle. Ouais, c'est plus dur je trouve. Aussi haut comme ça. La moto, t'as vu, elle a explosé dès que, enfin, elle a pris feu dès que j'ai stun sur le truc. Ah oui, pas mal, ça décolle bien. Et là, pam. Je suis un king. Je le dis, je suis un king. T'as vu mes réactions ou pas? Ouais, ouais. Non, c'est vrai qu'il fallait être précis en plus. Hein. J'ai mis au ralenti. Hein.
Vous voyez à quoi ça ressemble, les gars. Voilà. Et ensuite, on atterrit tranquillement. Voilà. Et du coup, les gars, bah, nous, on va se retrouver pour le stunt avec la salle. Donc, c'est parti. Je vais essayer d'en faire un en compagnie de la salle. C'est parti. Let's go tout de suite. Bah, en fait, non, juste appuyer sur caméra et jeu. Et je pense que c'est bon. Ok, du coup, les gars, c'est parti. Let's go pour le petit stunt de la vidéo. Donc, qu'on va faire avec la salle. Alors. On va le faire en direct, les gars. Il faut apparemment stunt ici et ensuite il faut glisser, atterrir sur le bâtiment, c'est ça? J'étais sur le bord du bâtiment Ninja. Je te l'aurais envoyé direct. C'est ça qu'il faut faire, la salle? Ouais, il faut taper le bâtiment en face et atterrir sur l'autre à gauche. Ah ouais. Il faut faire taper alors ta roue Faut avant. bien stunt, quoi. Faut avoir de Ouais. la hauteur. Parce que moi, j'ai pas trop d'hauteur. Ok. Alors attention les gars, faut hop, hop. Presque, hein. Oh, c'est dingue. On Oh! dirait que... J'y suis, mais tu vois, c'est pas. Pas Rick and Marines, quoi. Bon là, vous voyez le temps à 10 minutes, hein, c'est normal, c'est parce qu'on est en train de préparer le truc. Mais depuis tout à l'heure, on fait rien, hein, vous inquiétez On dirait pas. qu'avec la neige, la moto ne veut pas monter. Quand on tape, je parle pas en bas, hein. Je Voilà, parle j'ai quand on stunt tape le abusé. Hein. bâtiment. J'étais limite sur le bâtiment en face. Hein. Mais ça glisse, t'as vu? C'est stylé. Ouais, bah oui, mais le virage aussi, il glisse bien. Oh, c'était tendu, c'était tendu. Tu étais presque, toi, la salle? À fond! Ok. Ouais, je suis parti dans le port. Dans le port d'Amsterdam. Wow! Là, j'étais pas mal. Ok. For sure. On peut le faire là, ça. On peut le faire. Peut le faire quand tu rates plusieurs fois comme ça, alors que tu y es, tu te dis, mais what the fuck is Non, plasti palissi kinikasa this? castiana. Je te l'envoie ou Tu y es? ouais. Vas-y, on voit. Non, sérieux? Alors, tu stuns, t'as du quel côté, gauche ou droit? Au pif, ça change rien. Ça, c'est La pas ça salle. qui compte. La salle. J'y étais. T'as vu ou pas? J'étais sur ton toit. Non, j'ai pas vu. Mais j'étais sur ton toit. Ah ouais. Ok, j'ai va. Bon, j'ai pas validé, mais j'étais sur le toit, quoi. Eh ben, je te l'ai envoyé. J'ai pas assez d'auteur en fait. Le problème qui se pose, c'est que j'ai pas assez d'auteur. Et ça, l'auteur, les gars, c'est très important. En fait, j'arrive à le faire, mais le problème, c'est l'auteur que j'ai pas. Ah oui. Ah oui, d'accord. Je suis passé carrément au-dessus du bâtiment. C'est ça le plus compliqué, c'est avoir de l'auteur pour pouvoir être au niveau de l'autre bâtiment à gauche. Et ça, c'est compliqué. Ah. Allez, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. You can do it, you can do it. Oh punaise. De toute façon, la salle a réussi, les gars. La salle, elle a réussi. Bon, déjà, lui avait arrêté. J'ai réussi tout court parce que vu que c'est stunt. Vu que c'est stunt, allez, allez. Non, mais regardez. Mon corps y est, mais pas moi. Pas la moto. Bon, les gars, on va se mater le baston de la salle, parce que j'ai pas réussi, les gars. Et surtout, il était tard, il fallait que je fasse mon live. Donc du coup, les gars, c'est parti. On va mater le truc de la salle. Alors, il fait deux roues en fait, ouais. Et après, il est. Mais j'ai l'impression qu'il a la même Non, hauteur que moi. Sauf que Sébastien. lui, ah ouais, il a eu de la chance. Franchement, bravo. Bravo à lui. Tiens. Mais moi, j'ai pas réussi. Vraiment, et c'est assez compliqué. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que aussi ce setup derrière moi vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao tout le monde, ciao, ciao, ciao.